Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale jardin saison. Et oui, c'est déjà l'heure de se poser la question de ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas de jardin, donc ça sera très simple. Allez, nous avons ces statues Bouddha à 10 euros, 45 cm de hauteur, 29 de largeur. Donc, rechargement solaire, rien à faire, hein, à part le poser et attendre que la nuit tombe. 10 euros. Je crois que ça, c'est nouveau par rapport à l'année dernière. Ils sont rigolos, hein. Vous voyez, c'est des animaux solaires pour mettre sur un tronc d'arbre. Ça coûte 2 euros. Alors, je ne vais pas m'amuser à dire c'est quoi comme animal, parce que je ne vais pas trouver là, j'aurais dit un chien, mais je ne suis pas bien sûre. Peut-être un renard. Et alors là, un koala, non? Je suis très sûre de moi pour le koala. Pour le reste, je ne sais pas. Vous avez bien les vis qui sont fournies à l'intérieur. Ça coûte 2 euros. Et à côté, on a la fontaine LED avec la grenouille à 20 euros. Normalement, il y a différentes variantes. Je vais voir. Ben non, on n'a que celle-ci pour l'instant. Et bien sûr, on a une petite lumière LED pour l'ambiance du soir. Le retour des hôtels à insectes, 1,50 €. Tout en bois naturel. Et regardez, nous avons des lutins ou des animaux. Alors, non, c'est des nains de jardin. Les animaux, ils sont à 2,30 €. Vous avez aussi l'enfant, c'est le même prix. Les nains, c'est eux. C'est vrai que je croyais que c'était des nains aussi, mais ce sont des enfants. Les nains, ils sont à 1,40 €. Et après, vous avez également des chats et des chiens à 98 centimes. Ok ? En version statue, mais solaire, nous avons celle-ci à 2 €. 8 cm de hauteur. Alors, vu que c'est solaire, il faut que ça reste. Mais ah, en fait, c'est à poser, vous voyez. Il faut le poser, puisqu'il faut quand même pouvoir... Je peux pas l'allumer, là. Non, je peux pas l'allumer pour vous montrer, il n'est pas rechargé. Ils sont mignons comme tout. Hein. Regardez, nous avons aussi un chien, ici. 2 euros au choix. Les pics de jardin, là, ce sont des nichoirs. Ils sont très choux, d'ailleurs, regardez. Différentes couleurs. Ils sont à 37 centimes. Ils sont tout en bois. Et je crois qu'il y a du blanc aussi. Je vais vous montrer le blanc. Il est au fond. Oui, c'est lui. Voilà, si vous voulez rajouter une petite déco mignonne. 37 centimes. Animal solaire LED avec un pic. Ceux-là, ils sont à 2 euros. On a l'escargot et la tortue. Le dernier, c'est la tortue. Et voilà. Et regardez des petits mignons là. En polyrésine, ils sont à 8 euros. Donc j'ai ces deux là et j'ai lui aussi. Bon, me demandez pas les races, hein. J'ai pas de chien et je connais pas grand chose en chien. 8 euros les jolis. On a ici des lanternes murales à 7 euros, comme ceci, qui se rechargent grâce à l'énergie solaire aussi. Je vous ai dit combien? Oui, c'est 6,95 €, hein. Donc il y a 31 LED. Et à côté, on a des guirlandes comme cela. Il y a 10 mètres de guirlandes, 10 boules. Ça coûte 5 euros. C'est très coloré, hein, c'est une ambiance un peu guinguette. Pour poser au sol, on a ces lampes solaires à 3,80 euros. Vous voyez, il y a juste à les poser. Alors, il faut mettre des piles quand même. Il faut mettre des piles. Je ne sais pas s'il faut mettre des piles à chaque fois. Elles sont belles, hein, c'est aspect pierre. Il n'y a qu'une seule variante pour l'instant, c'est celle que vous voyez là. Pour mettre sur un tronc d'arbre, on a les guirlandes solaires en 6,40 m. C'est du blanc ou du multicolore, vous choisissez. Ça coûte 3 euros. Et on a aussi le retour de ces lanternes que j'avais achetées il y a 2-3 ans, qui sont à 1 euro pièce. Donc là, c'est pareil, ça fait une ambiance sympa, je trouve. Côté lampe solaire, alors là, vous voyez, on a... les coccinelles, des papillons, des fleurs. Ça coûte 4 euros. Il y a 25 ampoules par guirlande. Et alors en longueur, c'est 5 mètres. Ok ? Il y en avait d'autres, hein, des statuettes mignonnes, animaux à 3 euros, que je ne vous ai pas montré. Je vous ai montré que le dinosaure. Et en fait, regardez, on a aussi la grenouille. Ils sont trop mignons. Et voilà les trois petits. Allez, coussin de sol ou matelas coussin. Trois couleurs, ça coûte 8 euros, c'est du 40 par 40.
Voilà. En plus, ils ont, vous voyez, des boutons. Ils sont assez épais, hein. Ils doivent faire au moins 8 ou 10 cm d'épaisseur. On a du bleu gris clair, du rose, voilà pour moi. Et au-dessus, on a le retour des coussins de chaises en 1,17 m de long, 48 de large. Ils sont à 10 €. Ceux-là, vous les connaissez bien, hein. On les avait l'année dernière. Dernier petit modèle, c'est les galettes à 4 €. Elles font 38 par 38. À poser tout simplement. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Voilà les deux. Les nains, ils sont à 4 €. Nains de jardin action. Vous avez les jardins animaux à 4 € aussi. Regardez ce qu'on a, ça c'est une nouveauté. Ils appellent ça organiseur pour outils de jardinage. Alors après, vous pouvez le détourner comme vous voulez. Hein. Ça coûte 4 €. Et c'est tout en métal. Il existe en blanc, comme ça. Et bien sûr, nous avons du noir. Comme ceci. Là, en l'occurrence, je trouve que le vert, il est très... Il est pas mal. Donc, c'est 4 €. Ah, on a des serres avec couvercle recyclé. Mais là, c'est une petite mini-serre. Ah, peut-être que c'est ça. Il y a une jolie qui me demandait la mini-serre. Elle fait 31 par 39. 4 litres de contenance. 3,80 €. Les griffes à main. Alors, tous les accessoires hein, à main de jardinage, ils sont à 1,30 €. On a des griffes. On a le transplantoir ici. À 3 €, on a des manches à 1,40 m de long. Et les autres petits outils, ils sont où? Ils sont la binette plus griffe. C'est 1,30 € aussi. Ah, celui-là, je ne vous l'avais pas montré l'autre fois, la brosse à joint. Elle est à 1,11 €. On a ici le fil de ligature, 87 centimes. Les 10 mètres. Les pinces à plantes, vous avez un kit comme ça de 60 pièces à 2,87 €. Appât anti-fourmis. Bon, on en a parlé l'autre fois. Hein. Ça, c'est 2 €. Voilà, moi, je suis contre qu'on fasse ce qu'il faut pour pas qu'elles viennent, j'entends, mais les tuer, ça, c'est dommage, quoi. Elles sont pas méchantes. La poudre anti-fourmis, c'est 5 €. Et je crois que ça sert justement à faire une barrière pour pas qu'elles rentrent. J'espère que c'est bien ça. Regardez, là, on a des bulbes de fleurs. Que j'avais pas vu l'autre fois, les 50 pièces à 2 €. Donc là, on a plein de sortes, on a crocus, des tulipes. Le kit de culture pour faire germer vos graines, c'est 2,80 €. Donc on a deux bacs en carton avec 6 positions à chaque fois, ça fait 12 au total. Vous avez les plants de tomates et basilic et vous avez du terreau. Ils sont de retour, les gants. Ces gants-là qu'on avait adorés la première fois qu'on les a vus, ils sont à 89 centimes. Alors, il n'y a que du S et du M. J'avais les léopards. Et je ne sais plus ce que vous m'avez dit sur ces gants-là. Moi, je n'ai pas eu de problème, mais j'étais pas voilà, une grande utilisatrice non plus. On a quelque chose d'un peu plus quali, peut-être, en gants enduits à 1,20 €, taille L et XXL. C'est la paire, là. Hein. OK. Après, vous avez le sécateur à 8 €, celui-ci. Et... La cisaille est à 8 €. Le désherbant électrique en 2000 watts, il est à 16 €. Ça me fait penser à ma maman, parce que je lui ai dit, mais maman, tu fais plus tes bordures. Elle me dit, bah non, parce que j'ai pas envie d'utiliser le désherbant, j'ai peur de cramer des insectes en même temps que j'enlève. Donc elle veut le faire à la main, mais forcément, ça met beaucoup plus de temps. 16 €. Et à côté, vous voyez, on a le nettoyant dépôt vert, c'est 4 € les 5 litres. Donc là, utiliser pur, il me semble, pour celui-ci. Alors ici, on a des engrais liquides. On a de l'engrais bio pour les légumes à 1,80 €. On a de l'engrais pour plantes d'intérieur à 2 € le litre. Et on a de l'engrais terrasse-balcon à 2 €. Voilà. On a aussi des bâtonnets comme ça à 1,20 €. Et là, il y a 30 pièces. D'ailleurs, il faudrait que je fasse quelque chose pour ma plante d'intérieur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir. Bon, l'autre fois, je vous ai montré pas mal de pots. Hein. Vous savez, il y a vraiment déjà tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'ils vont encore en rentrer. Les petites nouveautés là, de cette année, c'est les pots en terracotta par 4 en 12 de diamètre. Ils sont à 2 €. Vous les avez aussi en 10 de diamètre par 5 à 2 €. Et les mini par 6 en 7 de diamètre à 2 €.
Si vous aimez les paniers suspendus, on a celui-ci à 3 euros en métal et en fibre de coco. Ah, je vous avais pas montré. Il y a beaucoup de luminaires là dans cette vidéo. Hein. J'espère que vous n'êtes pas endormis. L'autre fois, je ne vous avais pas donné le prix de ces lampes solaires en craquelé rechargeable. Elles sont à 4 euros. Vous pouvez changer la couleur sur celle-ci. Et vous avez aussi les trois pièces, là, les grosses balises, à 13 euros les trois. En pot carré, on a ceux-là. C'est du plastique recyclé. Les grands, ils sont à 10 euros. Et vous avez les moyens en 30 de diamètre à 7 euros. Et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, les jolis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker. Plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. On se dit à plus tard. Bye.